J'adore faire peur à mon petit frère Andy. Je raconte des histoires d'épouvante jusqu'à ce qu'il me supplie de me taire. Je taquine tout le temps en lui disant que je vois des monstres partout. C'est sans doute pour ça que personne ne m'a cru le jour où j'en ai vu un pour de bon. Mais il était trop tard. Andy, on ne t'a pas parlé du monstre qui dévore les doigts de pied? Il a mangé les doigts de pied de qui? Ceux de Becky. Et de Layla également. Dans la piscine quand il se baignait. Ils l'ont pas vu arriver? Non, il peut se transformer en n'importe quoi s'il le veut. Et même en eau. C'est pas vrai! Dis à Becky de retirer ses chaussures et tu verras bien, demande-lui. Attention à ton pied! Je vais me dépêcher. Andy, calme-toi. Tu devrais savoir à ton âge que les mangeurs de pieds, ça n'existe pas. Si ça existe, elle a plus de doigts de pied maintenant. Lucie, arrête de faire peur à ton petit frère une fois pour toutes. Ah, maman, je lui ai dit ça pour rire. Et comment ils ont fait pour repousser? Abstiens-toi de lui raconter des histoires de monstres à l'avenir. Si tu veux le savoir, le monstre m'a rendu tous mes doigts de pied parce que j'ai promis de couper les tiens pour lui donner à manger ce soir. Non! Lucie! À quoi ça sert d'avoir un petit frère si on peut pas lui faire peur? Écoute, tu as un livre à rapporter à la bibliothèque, alors va ennuyer plutôt Monsieur Mortman pour changer. Mais alors, qu'est-ce que tu en dis? Aura des pâquerettes, cette histoire. Pourtant, Beauté Noire est un grand classique. Ça aurait été mieux si le cheval avait eu deux têtes. Ouais. Ou même des grandes dents crochées. Bon, ben alors, va choisir un autre bouquin. Salut, t'as pris quoi aujourd'hui? Frankenstein. Ah, super. Tu es sûr de vouloir ça? Frankenstein est un classique aussi. Je sais, mais il y a un monstre dans celui-là. Ça serait super si ça existait, les monstres. J'en doute, Aaron. La plupart des gens les fréquentent au cinéma ou encore dans les livres. Mais rarement dans la vie. Ah oui, tu trouves pas qu'il a quelque chose de bizarre, Mortman? Surtout ses petits yeux perçants, ça me fait une drôle d'impression. Et il a les mains toutes moites. Quand il m'a tendu mon bouquin, j'ai failli lâcher tellement il était visqueux de sueur. Ah oui? Ben... Mon autre sac, j'ai dû l'oublier à la bibliothèque. Ah ben moi, faut que je rentre. Non, t'inquiète pas pour ça, on se retrouve tout à l'heure. Encore un de ces classiques. C'est l'heure, mes petites beautés de nuit. Comment vont mes petites amies? Tu as l'air d'avoir grossi, toi. Petit.
soyez pas timide. C'est l'heure du dîner, mes jolies petites velues. Ah, tu devais avoir faim, miam, miam, miam. C'est bon, les grillons, croustillants pour les jolies velues. À dire bonjour. Désolée, il y a un monstre dans la bibliothèque. Lucie, je t'en prie. C'est quoi comme monstre? Est-ce que tu veux bien nous aider, s'il te plaît? Une bête énorme et répugnante à voir. Elle avale des punaises. Oh, je suppose que le monstre est encore une des visions que tu dois à tes lectures. C'était pas une vision, mais bien la vérité pure. Nous reviendrons là-dessus après que tu te sois lavé les mains et mis à table. Papa, c'est la vérité cette fois. Larry, tu fais les boulettes trop grosses. Je les aime bien grosses, les boulettes. Alors, autrement dit, personne ne veut me croire? Tes yeux comme des billes lui sortaient de la tête. Il avalait plein d'insectes. Et à la maison, ils sont tous persuadés que j'invente. Ben oui, tu m'étonnes. Quoi? Alors toi aussi, tu penses que je mens? Je dis pas ça, mais chez toi, ça devient une obsession. Ben voyons. Écoute, bientôt tu vas me croire. Je te prouverai que t'as tort. À ton avis, Lucie, le monstre ne serait-il pas le personnage le plus attachant de cette histoire? Vous y croyez, au monstre, vous? Peut-être bien qu'il y en a un qui sommeille en chacun de nous. Qui sait? Pendant que je mets de l'ordre ici, va choisir un autre livre. J'y vais. On se reverra demain. Ouais, c'est ça, à demain. Et surtout, mastiquez bien avant d'avaler. Oh.
Qui est là? Il m'a vu. Tu peux courir, rien ne m'arrête. C'est un vrai régal, la viande fraîche. J'en ai l'eau à la bouche. Lucie, je sais que tu es là. Ça ouvre l'appétit de te savoir là. Le dîner est servi. Reviens! Tu ne m'échapperas pas, mon petit grillon! Arrête-toi! Je t'ai dit de t'arrêter! Lucie! Reviens! 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 Si c'est un monstre aussi terrible, comment t'as pu t'enfuir? Le flash a dû l'aveugler. Mais j'ai sa photo, je tiens ma preuve. T'as oublié un élément essentiel, il y a ton adresse sur ta carte d'abonnement. Mortman doit savoir où t'habites. Et après? Il est peut-être en route pour chez toi à l'instant même. Je te trouve pas drôle, Aaron. Si j'étais toi? J'attendrais pas, je filerais en vitesse. Comment ça va, Lucie? Puis-je entrer une petite minute? Non. Mes parents sont pas là. En fait, ils vont arriver dans pas longtemps. Parce que... ils sont dans la salle de bain. Maman, est-ce que papa a fini de nettoyer son fusil? Non, ne les dérange pas. En fait, c'est toi que je venais voir, surtout. J'ai trouvé là-bas un petit sac qui t'appartient. Je l'ai rapporté. Il est à toi, je crois. Vous pouvez peut-être le poser là, sur le seuil de la porte? Je préfère. Ne crois-tu pas qu'il serait plus simple d'ouvrir, ce qui me permettrait de te le remettre? Alors, je vais le laisser là. Je vous remercie. Non, tu sais, il n'y a pas de quoi. C'était sur ma route. Nous aurons sûrement l'occasion de nous revoir. Papa! Maman, il était là! Mortman, sort d'ici! Il faut faire développer la pellicule tout de suite. J'ai pris une photo qui prouve que c'est un monstre. Calme-toi, Lucie. Il m'a suivi jusqu'à la maison. Il t'a suivi jusqu'ici? Pour quelle raison? Parce que j'avais oublié mon sac sur la table et il me l'a rapporté, mais... C'est donc un monsieur très serviable s'il a traversé toute la ville, d'autant qu'il habite loin d'ici. Si on part pas tout de suite, le photographe va fermer et on arrivera trop tard. Écoute, Lucie... Je t'en prie! Fais voir! Allez, fais voir! Ça va. Attends! Ça, c'est malin. Randy, nous t'attendons, dépêche-toi. Allez, obéis! Tu as de réels talents de photographe. Monsieur Mortman, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que par hasard tu as repensé au monstre dont on a parlé? Monsieur Mortman, je tiens à vous remercier d'avoir si aimablement rapporté son sac. Oh, mais de rien, c'était sur ma route.
Monsieur Mortman, nous serions ravis de vous avoir demain pour dîner. Lucie ne tarit pas d'éloges sur vous et on apprécierait de vous connaître un peu mieux. Ma foi, j'accepte avec joie et je vous remercie. Ça fait si longtemps que je n'ai pas goûté une véritable cuisine maison. Tu vois donc pas que c'est un monstre ? Le fait qu'il soit pas sur cette photo le prouve. Peu importe qu'il soit un loup-garou, c'est notre hôte pour dîner. Et n'oublie pas, tâche de bien te comporter avec lui. C'est très aimable à vous. Oh, ne dites pas ça, tout le plaisir est pour nous. Bonsoir, Lucie. Je suis très heureux de te revoir. Randy, l'année prochaine, tu viendras aussi dans la salle de lecture? On a le droit d'y dormir? Ah, si tu veux. Oh. Permettez-moi de vous dire que c'est ravissant chez vous. Et Lucie, offre des boulettes à Monsieur Mortman. Délicieux. On mange quoi ensuite? Eh bien, je voulais vous en faire la surprise, mais... Vous le demandez, alors c'est vous, le menu. Excusez-moi, je croyais que vous disiez... C'est exact. C'est vous, le plat de résistance. Témoin une. Écoutez-nous, vous deux. Il ne faudra jamais, jamais que quelqu'un puisse savoir un jour que vos parents sont des monstres. Ça, c'est logique. Et on ne peut tolérer en ville l'existence de monstres concurrents qui nous causeraient du tort. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils pourraient nous dénoncer à la population. Et ça ferait peur aux gens et on nous chasserait de la ville. Ou pire encore... Monsieur Mortman est le premier monstre qui soit venu chez nous depuis 20 ans. Mis à part nous, bien sûr. Et c'est pourquoi nous avons hésité longuement avant de te croire, Lucie. Lorsque vous serez grand plus tard, vous aussi, vous aurez des crocs blancs. Absolument. Dans pas longtemps, ton frère et toi, vous serez capables de vous transformer tout aussi bien que vos parents. Oh non! Encore un autre! Ça ne peut pas être Mortman. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut pas qu'il s'échappe. Alors, qu'est-ce que vous faites? On vient de finir de dîner. Ben dites donc, j'arrive pile. Alors, qu'est-ce que vous avez comme dessert? Eh bien, nous voulions que ce soit la surprise, mais... Tu le demandes alors? C'est toi, je crois, qui aime la tarte aux prunes. J'adore. Oh, pardonnez-moi. Ha 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 ha